Aujourd'hui, je suis bien entouré d'avocats. Si, si, ils ne sont pas toujours en robe. Et je vous emmène bosser dans un cabinet dynamique qui recrute. Suivez-nous! Bon, merci pour le footing. J'ai vu que tu recrutais. Oui, le cab recrute. Je vais te présenter le cabinet, le poste. Mais avant, je te propose de prendre une petite douche après cet effort physique. Pendant cela, je te prépare un café et on se retrouve à l'espace convivialité. Okay, ok, merci. Ça marche. Sophie, merci pour le café. Alors, ce footing, c'est régulier chez vous? Bah oui, tous les mercredis, on dispose d'un coach, Hugo, qui nous maintient en forme ou qui nous prépare pour des compétitions qu'on peut faire ensemble ou individuellement. Ensemble, on a par exemple fait l'Urban Trail de Rennes il n'y a pas longtemps, on a fait le Trail de Saint-Malo, on fait le Marathon Vert. Cool, bon. Sympa. Et alors, présente-moi ton entreprise en détail. Bah, GBA est un cabinet d'avocats, conseil, d'une vingtaine de personnes. On est basé à Rennes, mais on intervient sur toute la France, voire même à l'étranger. Nos clients sont des start-up, des PME, des groupes. Dans quel domaine? Dans tout le domaine de la vie économique. D'accord. Services, techno, industrie, professions libérales, bâtiments. Et vous-même, vos expertises, dans quel domaine? Nous, on intervient dans le domaine droit des affaires, donc en droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats. Et quels sont vos points forts de votre relation client? Notre approche est tout d'abord une approche transversale, en s'appuyant de fortes expertises. Et notre objectif est de donner une vision et un conseil stratégique, au-delà du simple conseil technique. On aime bien dire qu'on est le bras droit de nos clients. On s'efforce d'être disponible, d'être réactif. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de renforcer nos équipes. Et vous avez un leitmotiv chez GBA? Oui, notre leitmotiv, c'est GBA associé pour vous. D'accord. Voilà. Alors, j'ai entendu dire que vous recrutiez en ce moment. On recrute en fait un ou une avocate en droit des sociétés qui aurait entre 3 et 5 ans d'expérience avec une solide formation en droit des affaires. Et pour t'en dire plus sur ce poste, bah, écoute, je te présente Margot, ta future collègue. D'accord. Qui va t'expliquer Bonjour, tout ça. Et alors Margot, ce job, il consiste en quoi? L'avocat en droit des sociétés, c'est une personne de confiance, proche des dirigeants, qui va notamment participer à des opérations de restructuration, de croissance externe, voire de levée de fonds. Et concrètement, au quotidien, il s'occupe de quoi? Il gère la relation client, participe aux négociations et rédige les actes. Et les qualités qu'il me faut pour ce job si je rejoins ton équipe? Tu dois être impliqué, tu dois avoir l'esprit d'équipe, être ouvert d'esprit et pragmatique. Merci. Rennes, bienvenue sur le mail. L'endroit parfait pour l'afterwork, mais on travaille aussi à Paris. Les deux, on a même une power room. Tutoie-moi. Bosseur, ce qui ne t'empêche pas de piquer un sprint. Fruits, ils sont livrés tous les mardis au cab. Les deux. Collectif. Sophie, Margot, merci beaucoup pour la découverte de votre cab. Bon, moi, je suis pas avocat et j'ai d'autres entreprises à visiter, mais vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de GBA Avocat. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. C'était sympa, cette nouvelle expérience de job chez les avocats décontractés qui mouillent le maillot dans une ambiance zen. Bon, je tiens à préciser que le footing n'est pas obligatoire et que la power room, c'est bien une salle de sieste. Vous ne rêvez pas. Bon, j'attends avec impatience maintenant l'aménagement de la terrasse. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas votre ceinture pour aller faire du sport et aller bosser. À bientôt, ciao !